Le changement que j'ai fait, enlever en fait le bureau, et ça me fait beaucoup 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 plus de place pour circuler juste là, et j'ai pu mettre une bibliothèque ici. Donc on va faire un petit tour de ce petit bureau, genre un desk tour, genre. Alors déjà je suis contente parce que j'ai de la place ici pour pouvoir mettre mes trépieds et ma lumière. Ensuite voilà un peu plus en détail, un peu plus près, le petit bureau. Voilà. Alors après je vous ferai un bientôt une autre vidéo sur ma bibliothèque, mangathèque, etc. On va se localiser ici, déjà. Alors là, j'ai mis ma petite pop de chibi, toute rose, toute cute, parce que je voulais un truc rose-blanc. Là, je trouve qu'elle est trop mimi. Donc, je l'ai mis ici. Ensuite, j'ai mis une petite bougie en forme de gâteau. Là, c'est un petit dessus de verre. Ah, par contre, là, je ne l'ai pas rangé, mais normalement, ça s'est découlé même. Mais normalement, ça garde mes fils là-bas. Mais bon, c'est pas grave. On a ici petite bouteille. Normalement, c'est une sorte de verre, mais je l'ai gardé pour mettre cette petite tulipe. Mon petit ordinateur, voilà. Ensuite, là, j'ai mis ça parce que le coffee is my life, genre. Bloc-notes en forme de cœur. Là, j'ai mis ma petite tasse avec des petites fraises que je trouve trop mignonne. Bon, je l'ai mis comme ça parce que ça gênait un petit peu mes classeurs, mais derrière, c'est comme ça. Pas si vous. Voilà. Donc, je l'ai mis comme ça. C'est cute. Ensuite, ici, j'ai mis mes binders, donc j'attends de recevoir un petit truc pour pouvoir mettre comme là. Là, c'est mes binders avec mes photocards des NCT. Donc là, j'ai mis NCT 127 et la NCT Dream. Ça, je l'ai eu quand je suis partie en Corée du Sud. Franchement, j'ai coupé, mais ça m'a fait au moins, genre, au moins une bonne 10 minutes pour que le zoom vienne là-dessus. Enfin, bref. Ensuite, tout ça, ce sont mes binders de photocards d'autres groupes. J'ai mis en fait ça, je savais vraiment pas comment les mettre. Donc, ça, c'est une merch officielle Ghibli. Donc, voilà. Et je trouve ça trop trop joli. Je trouvais ça hyper joli. Donc, je l'ai mis là en fait. Ensuite, là, ça je l'avais aussi en Corée, mon premier voyage. Et donc, je disais là aussi, Ghibli, c'est l'un de mes Ghibli favoris. Enfin, les deux Ghibli favoris. J'aurais bien aimé avoir trouvé en fait ça pour Corosso, parce que c'est un de mes Ghibli aussi favoris. Alors, ensuite, là, j'ai changé de lampe et je suis trop trop contente de cette lampe. Voilà, elle est comme ça, je l'ai laissée allumée. On peut changer en fait la couleur. Je sais pas si vous voyez la différence en fait, parce qu'il y a trop de lumière. Non, je pense pas que vous voyez. Là, vous voyez peut-être la différence. Ouais, là, vous voyez. Ça fait un peu plus chaud à froid. Voilà. Et on peut changer l'intensité. Je trouve ça trop, trop bien en fait. Donc voilà, là j'ai mis ça, c'est pour poser mon téléphone qui n'est pas là. Petite bougie en forme de fleurs que j'utilise pas, mais juste en déco. Petit panier avec des petites décorations qui sont là. Et là j'ai mis tous mes Tombow et mes Crayola pastel parce que ce sont ceux que j'utilise le plus. Ici, bien c'est mon imprimante que j'ai changée. J'en ai trouvé une rose Canon, franchement. Parfaite, j'ai rien à dire. Ça marche parfaitement bien. Elle est plus petite que celle que j'avais, mais j'aime beaucoup. Ensuite, ici, j'ai installé une petite truc qui collait là pour pouvoir mettre ces stickers là. Ce sont des stickers que je mets là, comme ça je peux les utiliser un peu plus de toutes les couleurs, etc. Voilà. Et puis là, ben j'ai mis
des petits trucs, petites affiches, petits trucs qui collent. Voilà mon petit dio, ça que j'avais eu en Corée du Sud, ça une photocarte de marque que j'ai en double, et donc je l'ai mis là, et puis voilà, des petits prints. Voilà, voilà. Ça en fait, ça c'était un truc des figurines Pop Mart, mais bon, je les ai mis là, histoire de ne pas les perdre. Genre. Voilà, ensuite que je... Ah là, là j'ai mis mon binder pour recenser tout ce qui est collection des EXO. Là, le petit classeur avec les photocartes des NCT aussi, NCT 77, NCT Dream. Mon journal. Là, ce sont les big items que je mets ici. Et derrière, ce sont les stickers aussi que j'utilise le plus. Que j'ai mis ici. Il y en a vraiment beaucoup, beaucoup, beaucoup. Ce sont des ronds pastels. Et il y a vraiment beaucoup, beaucoup de place. Alors ça, j'aime beaucoup ce genre de rangement parce que, ben, avec autant de papeterie, c'est cool pour ranger. Et là aussi des stickers que j'utilise énormément dans mon bullet journal. Je trouve hyper esthétique. Je les ai depuis des années aussi. C'est vraiment, ça va très profond en plus, je trouve. Donc c'est vraiment cool pour pouvoir ranger tout ça. Et ensuite là, j'ai mis tout ce qui est Tembo et Crayola. Couleurs primaires et tout ce qui est dérivé des couleurs primaires. Voilà. On s'adjoint donc ça, c'est... À la caméra, t'as l'impression que c'est pastel, mais c'est plus vert foncé qu'autre chose. Mais voilà. Les Tembo, il y a différentes mines. Une comme ça. C'est bien pour la calligraphie, dessiner, colorier, bref. Les Crayola aussi, la même chose. Voilà, pour ici, je crois que tout ce qui est là, j'ai tout montré, voilà. Ensuite, là, ben, j'ai de la place, aussi beaucoup de place. Par contre, ça, les fils, c'est juste pas possible. Alors, j'ai mis une petite lumière en haut. Comme ça, je peux voir un peu plus. Vous voyez, toutes les fils, il faut que je trouve un rangement pour cacher. Là, c'est tout ce qui est la suite de mes j'étais. Donc je les ai mis là. Et là, c'est un petit rangement avec mes journaux. Donc là, je peux ouvrir comme ça. En fait, ça c'est cool. Et avec le sticker, tout ça. Et ce qui est en haut, ce sont tout ce qui est ongles. En fait. Voilà, pour ce qui est en dessous. Ensuite, j'ai choisi ça. Donc, j'avais acheté ça chez Ikea. J'ai tout monté toute seule et je suis trop contente de l'avoir fait toute seule. Et franchement, le rangement, il est parfait. Il est parfait, il est top. J'ai rien à dire. Un peu plus de vidéos pour ce vlog, parce que je pensais que j'allais faire un tout petit vlog de 5 minutes. Mais bon, voilà, ça fait un peu plus de vidéos. Alors déjà, on passe à ce tiroir là. Alors je suis hyper contente du rangement aussi que j'ai fait. Voilà, alors comme vous pouvez le voir, tout est bien rangé et je trouve ça cool. Donc là c'est tout ce qui est voilà, ciseaux, perforeuses, tout ce qui est coupage, etc. Ici ce sont plus les stylos que j'utilise mais qui ont des gel pen en fait, c'est plus gel. Voilà, ceux-là je les avais achetés juste parce que je trouve qu'ils sont assez esthétiques, genre. Je trouve ça trop beau, il y en a 5. Et juste pour écrire, je trouve que c'est fluide, c'est... il y a un bon petit truc. Ensuite là c'est plus des stylos comme vous pouvez le voir, un peu plus... genre... un peu fantasy quoi, mais c'est toujours des stylos que j'utilise, donc voilà. Ensuite avec toujours des gel pen, encore une fois. Ça j'avais acheté ça chez Muji, je crois.
Là aussi, là, c'est mécanique, mais en gel. Voilà. Ensuite, là, c'est des stylos plus spéciaux. Donc, c'est-à-dire, là, c'est stylo blanc. Stylo argenté et or. Là, j'ai mis tout ce qui est stylo blend. Donc, ça, ça peut blender d'autres couleurs. Et ça, pour faire de l'aquarelle. Et crayon à papier. Ensuite là, c'est tout ce qui est collage, double tape. Ça, c'est vraiment un must have pour faire le journaling. Ça aide plus que la colle simple. Ensuite là, mon stock de scotch, là du blanc, là ce sont des stylos que j'utilise énormément, Micron et Tombow, avec différentes Ah non, c'est pas Tombow, c'est Faber-Castell, différentes mines. C'était pour faire de la calligraphie ou les écrire ou faire. Parce qu'avant, je faisais un peu beaucoup plus de dessins que maintenant. Mais j'utilise quand même beaucoup pour écrire pour les journaux. Ça, c'est cool. Ça, c'est pour. Je pense que les gens qui regardent TikTok ont déjà dû voir. Mais c'est pour cacher les adresses avec le stock. Voilà. Ensuite, là, c'est aussi des trucs que j'utilise. Je trouve ça trop beau. J'aime trop, en fait, je trouve. Les petites paillettes, c'est pour les ongles, en fait. Mais moi, je les utilise aussi pour faire du journaling, en fait. C'est très joli. Et j'aime bien les boîtes. C'est hyper bien rangé. Donc, voilà. Là aussi, c'est un petit... que j'utilise pour mettre pas mal de petites photos. Et derrière, alors je vais l'enlever. Ça, j'avais acheté ça sur Amazon, les petits rangements comme ça. Et c'est bien parce que ça bouge pas. Parce qu'il y a une sorte de petit là, et donc tu mets comme ça et ça bouge pas en fait. Donc là, pour faire craft, etc. Là, des stabilos. Et tout ce qui est stockage de stylos normaux en fait, rouge, noir, un peu de couleur. C'est vraiment profond et vraiment avec tout ce que j'ai, je trouve que c'est un rangement qu'il me fallait absolument. Donc là, je suis vraiment satisfaite de mon rangement. Donc là, c'est vraiment tout ce qui est stylo. Je suis restée 5 minutes pour vous montrer ça. On va aller plus vite quand même. Ici, tout ce qui est stockage, comme vous pouvez le voir. Là, j'ai des petits fils, des petits trombones. Il y en a qui sont cute. Vraiment pour l'esthétique, genre. Crayon à papier. Là, c'est mon stock pour faire du journaling dans mes binders, assign binders. Des enveloppes. Ça, c'est un petit coaster. Ça c'est quoi, mes boules caisses, tout ce qui est gel hydroalcoolique, ça aussi Vicks Vaporub, des médicaments, Doliprane, vitamines, fer, là du vous voyez ce que c'est en gros hein, je sais pas non plus exagérer. Donc là c'est des petits trucs pour les ventes de photocartes ou d'échange. J'aime bien les mettre dedans, comme ça, ça les protège bien. Et là, tout ce qui est sleeve de photocartes, des Dragon Shield. Voilà. Et ça aussi, ça c'est juste pour faire mon journaling, pour coller des choses. Et voilà, en gros, derrière, j'ai plus rien. J'ai encore de la place, mais il n'y a rien. Ici, on passe à tout ce qui est papeterie. Donc, dans cette boîte, j'avais acheté chez AliExpress tout ce qui est bloc-notes pour faire du journaling, des papiers avec plein de motifs différents. Voilà, avec des petites cartes postales aussi un peu esthétiques.
ça aussi je suis hyper contente. C'est, je pensais pas qu'il était aussi grand et ça met beaucoup de... J'ai encore de la place pour mettre d'autres trucs, donc c'est cool. Ensuite, on va l'enlever. Encore du stock de papier, d'enveloppe. Et là, ce sont mes washi, donc je les ai un peu mis en catégorie. Donc là, ce sont tout ce que j'utilise le plus et tout ce qui est pastel. Voilà. J'aime bien ce que c'est transparent, donc je vois ce que j'ai. Là, dans le deuxième, j'ai mis tout ce qui est un petit peu plus motif, que j'aime beaucoup et que j'utilise le plus. Voilà. Et en bas, j'ai mis tout ce qui est un peu plus neutre. Voilà, derrière ça, il y a encore des washi. Toc, toc, toc. Donc, là, c'est un peu des washi random avec des imprimés différents. Et là, nous avons tout ce qui est un petit peu random, encore une fois. Liste de washi, ça, c'est une planche de stickers. Voilà. Ensuite, là, c'est le tiroir dont je ne suis pas la plus satisfaite. C'est tout ce qui est stickers. Clairement, c'est tout ce qui est stickers. Donc là, j'ai un petit classeur avec des petits stickers en longueur. Là, j'ai mon stock pour ranger les photocards. Là, c'est tout ce qui est stickers aussi. Voilà. Vraiment, tout ce qui est stickers, on est vraiment pas mal. De toutes les couleurs que j'ai mis là. Il y en a derrière, encore une fois, mais c'est le... petite trousse et tout. Ça, c'est un rangement où je ne suis pas vraiment satisfaite. Et ensuite, là, c'est tout ce qui est électronique. Voilà, avec mon... Donc là, c'est ma plastifieuse, mon chargeur pour ma batterie caméra. Ça, c'est pour mon portable. Du stock pour... du stock, bon, bref, comme vous pouvez le voir. Voilà. Donc voilà. Oh my god, la lumière. Donc voilà, je suis quand même contente de mon petit rangement bureau et tout. C'est vraiment vraiment cool. J'ai beaucoup plus de place là. Je n'avais pas de place avant pour faire tout ça. Donc voilà, voilà. Donc je vous ferai une autre vidéo pour vous montrer ben. Là et puis l'autre bibliothèque et ma manga tech qui est ici, enfin bref, tout un truc. Aussi là, j'ai mis ces classeurs ici pour le moment parce qu'il me faut de la place pour mettre d'autres choses. Donc là, ce sont mes classeurs avec ma collection de photocards des Ebso. Donc là, photocard album, photocard merch. Là, ce sont les grands items que je mets dedans. Là, c'est pour le grand item NCT et autres groupes. Là, c'est EXO. Et là, c'est tout ce qui est stockage. Voilà, stockage de feuilles. Voilà, voilà. Donc voilà, j'espère quand même que cette petite vidéo vlog vous aura plu. Je vous remercie de l'avoir regardé. Je vous retrouve très bientôt pour de nombreuses vidéos qui arrivent.